Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casket du mois d'octobre. Donc, selon moi, a priori, ça devrait être la meilleure box de l'année parce que octobre, Halloween, tout ça, vous avez l'idée. Donc, j'espère qu'elle sera bien. Si elle est pas bien, je vais être déçue parce que Halloween. Halloween, tout ça, la sorcellerie, bon, ça va ensemble, il faut que ce soit la meilleure, il le faut, c'est tout. Bref, sans plus tarder, donc je vais ouvrir la boîte et c'est parti. Alors, déjà un petit effort qui a été fait sur le design. Ça, c'est du coup la petite fiche avec le thème du mois. Et on va peut-être pas très bien voir l'écran, mais sur le logo Witch Casket, c'est écrit pas pareil que d'habitude. Ils ont changé de style d'écriture et je trouve ça formidable. Je pense qu'on le verra aussi sur les autres cartes, donc vous le verrez peut-être mieux à ce moment-là, mais je trouve ça super chouette. Donc du coup, le thème de la box du mois, bon, il n'y a pas vraiment de thème en soi, mais c'est un peu du coup, bah, sur tout ce qui est Halloween finalement. Donc oui. Donc bah, je propose qu'on commence à fouiller dedans, hein, on fait ça. Du coup, j'ai une première carte qui est celle-ci. Donc c'est une carte avec une petite citrouille et un petit balai, une petite fiole de potion, un petit charm bag et avec toujours encore la lune en fond. Et voilà, elle est très cute et puis elle est vraiment très très automne, très Halloween, donc j'adore. Ensuite, on a une deuxième carte qui est celle-ci, un style totalement différent mais hyper mignon, j'aime beaucoup. Donc c'est un petit crâne rouge orangé dans une main et on dirait un petit peu une petite citrouille du coup. Et ouais, non, très joli, j'aime beaucoup également. Alors, je tiens à dire que ça sent assez fort la cannelle quand même là. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte qui sent la cannelle, mais sûr, il y a un truc qui sent la cannelle. Ça sent trop fort. Ensuite, j'ai un sticker, ce Witch Casket. Donc je crois que c'est la deuxième fois que je reçois ce sticker dans une des boîtes. Il y en avait un dans la boîte du mois dernier aussi. Donc je me demande s'ils vont pas en mettre un chaque mois. Mais alors du coup, qu'est-ce que je vais en faire? Je me pose la question. Alors c'est marrant parce que du coup, vraiment, tout sent la cannelle. Même le sticker sent la cannelle. Donc ça, je sais pas le truc, quel est le truc à la cannelle. Mais ça sent fort. Ensuite, du coup, je viens d'attraper ceci. Alors c'est un petit sac noir, alors il y a des pierres à l'intérieur, c'est sûr. C'est un set de cristal pour le pouvoir. Je vais ouvrir le petit pochon pour voir quel type de cristal on a. Ouh ! Alors on a du coup, ça va être difficile de vous les montrer comme ça, mais on a 5 pierres différentes. Celle-là, je ne sais pas encore ce que c'est, mais elle a un design. Enfin, un design, bref. Vous me comprenez? Elle est absolument incroyable visuellement. Alors le truc c'est que ça va être un peu compliqué parce que on a les noms des pierres, mais là je sais pas qui est quoi finalement. Alors j'imagine que celle-ci est l'aventurine grise. Ensuite j'ai un œil du tigre. J'ai déjà ces deux pierres là. Ensuite j'ai... Alors le truc c'est que pour les trois dernières j'ai un peu du mal à les départager. Donc je dirais que celle qui a les dessins complètement fous dessus, ce serait la jaspe léopard, parce que bah, vraiment elle a des petites taches dans tous les sens, donc c'est ce qui me fait le plus penser à un léopard, donc voilà. Ensuite j'ai une jaspe grise, donc j'imagine que c'est celle-là, et donc je vais partir du principe que l'agate c'est celle-ci, mais je suis pas sûre de moi pour le coup, hein. C'est vraiment de la déduction. Et donc sur la carte on a les petites propriétés des pierres. Alors l'agate c'est pour tout ce qui est protection, insomnie, cauchemar. Ensuite la jaspe grise c'est pour tout ce qui est équilibre, stabilité et volonté. La jaspe léopard c'est pour tout ce qui est changement, pardon, les insécurités et la gestion de la colère. L'aventurine grise c'est pour tout ce qui est succès, chance, prospérité et indépendance. Et enfin l'œil du tigre c'est pour tout ce qui est confiance, charisme, pouvoir et intégrité. Ok, donc du coup bah, dans cette boîte on se retrouve avec pas une mais 5 pierres. Donc écoutez, c'est oui, hein, on adore les cristaux. Bon du coup il y en a deux que j'ai en double parce que je les ai déjà eu, mais c'est pas grave, moi j'adore les pierres. Ensuite je viens de tomber donc sur ce petit kit qui est un kit pour faire un élixir pour avoir du pouvoir. Alors c'est pas du pouvoir dans le mauvais sens du terme, hein, c'est le pouvoir de croire en soi-même en fait. Je sais pas, c'est le mot empowerment, mais je sais, il n'y a pas de traduction française pour ce mot en fait. Il y a une fausse traduction que je trouve absolument dégueulasse qui est empouvoirment, mais juste la personne qui a inventé cette fausse traduction, mais je la hais parce que je trouve ce mot immonde. Mais c'est pas vraiment le pouvoir dans le sens négatif du terme en fait. Et donc dans ce petit kit, il y a tout ce qu'il faut pour créer un élixir, donc pour se donner un boost de confiance en soi finalement, c'est un peu ça en fait.
c'est surtout de la confiance en soi, l'aspect empowerment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, c'est des mix d'herbes. Hein. Alors, on a du Meadowsweet. Je ne sais pas ce que c'est, donc je vous l'écrirai sur l'écran comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. Du basilic et des morceaux de grenade. Donc, j'imagine que c'est ça, les morceaux de grenade. Et donc, le principe, c'est qu'avec ça, de l'eau et. Ah, il faut une pleine lune aussi, c'est important. On peut du coup créer notre petit élixir. Ah, oh, j'avais pas vu, mais l'arrière des cartes, c'est trop beau! J'adore, le dessin est super cool. Ensuite, je viens de tomber sur un truc tout à fait orange. Ceci. C'est le thé. C'est le thé en vrac du mois. Le thé en vrac du mois, c'est un pumpkin spice tea. Donc, le célèbre thé épicé à la citrouille, c'est le truc de chez Starbucks, quoi. Du coup, j'imagine que c'est ça qui pue la cannelle depuis tout à l'heure, parce qu'il y a de la cannelle là-dedans. Pour tout ce qui est de toute façon thé épicé comme ça, c'est cannelle, hein, malheureusement. Avant de l'ouvrir, je vais peut-être vous dire ce qu'il contient. Dedans, il y a du thé noir, de la pomme, de l'orange, de la rose, de l'hibiscus, du calendula, des pétales de comment? Tournesol et de la cannelle. Donc, je vais quand même le renifler pour le principe, mais a priori, ça n'engage rien de bon. Hein. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça dit pumpkin spice tea, mais en fait, il n'y a pas de citrouille dedans. Donc, ok. Alors, petit changement, d'habitude le thé en vrac était directement là-dedans, et là ils l'ont emballé dans un de leurs sachets plastiques biodégradables. Je pense que c'est lié au fait que à partir du moment où on est passé au truc en papier, en fait, c'était pas refermable et du coup, enfin, ça pouvait un peu voler partout. Donc excellente idée de mettre ça dans du plastique. Par contre, si c'est vraiment ça qui pue la cannelle, ça veut dire que même à travers le plastique, ça pue et ça me fait un peu peur. Alors. Bah bizarrement, ça sent pas si violent que ça en termes de cannelle. C'est présent, hein, mais c'est pas aussi violent que ce que je m'attendais. Et il y a une petite arrière senteur assez fraîche, un peu fruitée et assez fraîche que j'aime plutôt bien. Donc je sais pas si au goût ce sera comme ça, mais a priori bah, j'aime bien, ce qui est assez surprenant pour un truc qui contient de la cannelle, mais pourquoi pas. Du coup, bah, je le testerai peut-être finalement. Comme quoi, il faut pas partir négatif parce que bah. C'est pas si pire que ce que je pensais. Ensuite, alors, je viens de trouver ceci. Du coup, c'est un petit, j'allais dire un sous-verre. C'est un petit truc métallique, je pense, avec un pentacle dessus, un truc de décoration. Ah, c'est pas métallique, mais le principe est le même. Voilà, on dirait vraiment un sous-verre, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, c'est une plaque, finalement, avec un pentacle dessus. Décoratif, tout simplement, qui est extrêmement joli. Donc voilà, je pense que par exemple, pour poser une bougie dessus, ça peut être très sympa. Enfin voilà, c'est de la déco, mais c'est très joli, j'aime bien. Ensuite, je viens tomber sur un truc un petit peu fou. Donc c'est une bouteille en verre vide avec écrit Frog's Breath dessus. Donc littéralement de l'haleine de grenouille. Donc du coup, ça fait un peu bah, une espèce de bouteille comme on pourrait l'imaginer dans les cartoons, les sorcières, voilà, qui ont des différents ingrédients chelous. Comme ça, ou des yeux de je sais pas, des yeux de mouton, des conneries comme ça, et du coup là on est sur bah, de la laine de grenouille, je trouve ça très rigolo, et c'est très sympa comme déco, donc voilà, c'est inattendu, mais j'aime bien. Ensuite, je viens de tomber sur le truc qui pue du mois, c'est-à-dire les bâtons d'encens. Les bâtons d'encens qui s'appellent Wizard Spell, donc le sort du sorcier. Alors du coup, vu que la cannelle sentait pas si fort dans le thé, je me demande si c'est pas ça qui pue. Donc je vais essayer d'ouvrir ça et on va voir ça ensemble. Bah non, c'est toujours pas ça, ça sent juste l'encens qui pue. Voilà, je vais pas m'étaler de plus que ça dessus parce que vous avez l'habitude que je trouve que l'encens pue et que de toute façon pour moi ils ont quasiment tous la même odeur, mais c'est de l'encens qui pue quoi. Ensuite, j'ai le petit parchemin du mois que je vais ouvrir de ce pas. J'arrive pas à l'ouvrir. Franchement, ça me vénère ces histoires de stickers là parce que j'arrive jamais à ouvrir ces trucs sans déglinguer le parchemin en dessous. Donc, mettez des stickers qui collent moins, peut-être. On a réussi à s'en sortir. Du coup, le parchemin du mois, c'est tout simplement des petits tips, des petits conseils, des petites astuces liées à la sorcellerie. Donc voilà. Alors, je vais pas tous vous les lire parce que c'est un peu long. Mais par exemple, là, ça dit que de brûler des bougies blanches quand il y a des invités pour nettoyer et purifier l'énergie qu'ils amènent avec eux. Ok, voilà. Je vais pas tout lire, je ferai ça après, mais ça a l'air très intéressant, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Ensuite, je viens de tomber sur une petite boîte, donc une petite boîte noire. A priori, c'est
un truc pour faire brûler de l'encens, je pense. Mais je vois pas trop bien comment ça s'utilise. Parce que c'est très petit, un bâton d'encens, ça rentre pas là-dedans. Peut-être que je me trompe, je vais regarder la feuille. Bien écoutez, je viens de regarder sur la feuille et je... ça me dit juste que c'est une boîte noire. Mais je sais pas vraiment à quoi c'est censé servir du coup. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est aimantée. Mais je vois pas ce qu'on est censé mettre dedans parce qu'il y a pas énormément de place. C'est très joli. C'est très joli, mais je vois pas à quoi ça sert. Ensuite, des bébés bougies. Des bébés bougies. Est-ce qu'on est content? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on adore les bébés bougies? Évidemment. Et donc, du coup, c'est des bébés bougies noires. Voilà, tout simplement. Bah, je vais pas m'étaler plus que ça. Hein. Maintenant, vous savez tous ce que c'est une bougie, j'imagine. Donc, je suis très contente. J'adore. Ensuite, alors, je viens de tomber sur un truc que j'aime bien. C'est du chocolat. Voilà, tout simplement. Du chocolat. Parce que Halloween, donc Halloween, voilà, on offre des bonbons, des chocolats. Du chocolat. Du chocolat vegan belge. Donc, c'est pas de la merde en plus. Donc, on apprécie. Alors, du coup, malheureusement, c'est un chocolat noir. Je déteste ça parce que c'est beaucoup trop fort. Donc, j'apprécie le fait de vouloir mettre un truc vegan, mais si c'est pour me donner du chocolat noir. Voilà. C'est dommage que ce soit du chocolat noir parce que j'aurais préféré que ce soit du chocolat au lait, vegan. Mais j'apprécie l'effort quand même. Mais du coup, c'est pas moi qui vais le manger, je pense. Ensuite, hop, je viens d'attraper ceci. C'est. Oh, c'est mignon. C'est un petit porte-clés avec écrit Hocus Pocus d'un côté et de l'autre, on a. De l'autre côté, on a un chat noir avec un chapeau de sorcière qui a l'air très peu ravi d'être là. Mais c'est très mignon. Et enfin, le dernier article dans cette box du mois d'octobre, c'est le petit pins du mois avec écrit Resting Witch Face dessus. Donc en référence à la Resting Beach Face. Voilà, on a un petit Resting Witch Face. Je trouve le jeu de mots très rigolo. Je ne sais toujours pas quoi faire de ces pins, mais c'est un peu drôle. Et l'arrière de la carte est très beau. Sur ce, voilà, j'ai fini l'ouverture de cette box du mois d'octobre. Est-ce que je peux dire que je suis légèrement déçue par rapport à mes attentes? Oui. Parce que vu que c'est la box du mois d'octobre, je m'attendais à un truc un peu plus... Waouh! Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, il y a plein de trucs intéressants. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, je sais pas, je m'attendais peut-être à un petit chouïa plus. Mais en soi, ça va, hein. J'aime bien quand même. Est-ce que vous aussi, vous vous attendiez à un peu plus pour la boîte du mois d'octobre? Dites-moi oui, comme ça je ne serai pas seule. Je vais pas m'étaler plus que ça, parce que finalement, est-ce que c'est bien nécessaire? Donc, je vais vous quitter là-dessus. Et puis, je vous retrouve le mois prochain pour l'ouverture de la box du mois de novembre. Et sur ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !